Des barricades érigées sur le bitume, des pneus qui brûlent, des militaires dans la rue, ces scènes qui rappellent celles de la guerre civile au Liban sont plus que jamais d'actualité. Hier, les Libanais sont de nouveau sortis dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Des appels à la mobilisation ont été massivement partagés sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir sans que l'on sache vraiment l'identité des groupes qui les ont lancés. La crise connaît un nouveau tournant depuis que l'Arabie saoudite a coupé net ses relations économiques et diplomatiques avec le Liban. L'Arabie saoudite a décidé de rappeler son ambassadeur du Liban, d'expulser l'ambassadeur libanais, mais aussi d'interrompre toute importation en provenance de ce pays. Et ce, suite aux déclarations de George Ordahi à propos de la guerre que mène l'Arabie saoudite au Yémen, qu'il a jugée absurde. Pour rappel, les exportations libanaises vers l'Arabie saoudite représentaient 10% des exportations du pays du cèdre, soit un montant de 300 millions dont est désormais privée l'économie libanaise déjà à l'agonie. Le pays traverse une phase difficile, une inflation à plus de 130%, soit le taux le plus élevé au monde, 300 000 sans-abri suite à l'explosion du port de Beyrouth. Et des conditions de vie de plus en plus invivables caractérisent le quotidien des Libanais.